t'entendez rassembler au souple, que l'entendre séparer, t'en prie, fait loin de racine. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde, bienvenue à Soyons, bienvenue sur émission Réflexion. Réflexion, c'est une émission qui l'a pour adresser des sujets problématiques dans la société noire et en même temps proposer des éléments de solution qui va aider nous sortir dans une société qui a dégringolé pour nous faire transition à une société qui a progressé. Donc, c'est Katius qui peut en participer à nous. Je suis content pour nous ensemble avec nous à Soyons. Donc, on a dit, vous êtes branchés avec nous. Salut à tout le monde qui a suivi nous sur Facebook, sur Facebook. Nous saluons, nous saluons Vernel Charles, nous saluons. Waouh! Et quand un peu loin, je ne sais pas si nous avons tout le monde. Si nous avons un peu charmé. Ah, on est pour mal dit, non? Parce que je ne sais pas si nous avons oublié. À cause de quand tu j'en vois, on a passé une autre approche, donc là ça a changé ma cité, non, tout le monde qui est sur Facebook, ou bien la majorité de monde qui est capable, et qui est sur Facebook, qui a suivi nous. Mais nous voulons connaître que nous apprécions présence, nous connaissons que temps précieux, mais quand même, nous choisissons pour écouter l'émission, hein, pour suivre l'émission hein, avec nous sur les réseaux, donc nous apprécions ça. N'abandonnez-vous, pour t'en prie, partagez la live pour nous, partagez la live afin que pour l'autre monde capable de jouer une opportunité pour suivre l'émission Réflexion. Comme nous connaissons, les autobrés, nous, moi, masseur, comme moi, femme, donc, malgré ce pas fait par nous, mais vu la situation, hein, genre que. Ou bien pour parler de acculturer nous adoptons un paquet de bagages qui parlent, qui parlent pour nous avant, mais parce que nous ne voulons pas vivre dans la mentalité par nous vraiment, dans la mentalité des ancêtres, gens que nous étions avant l'influence européenne, eh bien, nous avons continué sur la même lancée que moi, Sarah, c'est moi, cette femme. À Soyons, nous allons regarder ensemble comment la société africaine a contraité les femmes avant l'influence européenne. Et moi, j'ai quelques présentations pour nous sur ça. Présentation en anglais, donc m'encouragez-nous pour nous inviter Timounio pour être capable d'écouter l'émission. Hein. Et comme ça, Timounio a appris ensemble avec nous. C'est important pour nous de comprendre spécialement le rapport des femmes ou les femmes qui ont joué dans la société africaine. Et bien, c'est important pour nous de comprendre ça. Let me say hi in English. Good evening to our Facebook viewers. Good evening to those of you who don't speak Creole. Welcome. Thank you for joining us and please share the live. Thank you. Okay, well, tonight's subject is going to be, since this month is is for women. It was the Europeans gave us that month to celebrate, is it really a celebration? I guess. Okay, technically it's for their European women, but since we were they enslaved African women, so
in a way, this became our affair. It wasn't before because there was equality in the African societies among men and women prior to their invasion. But since they invaded Africa and the whole slavery happened, then we are not really in our right minds because we were enslaved and forced to adopt their culture. So because of that, in a way, we are part of this this period where they dedicated to women. So I guess this become our acknowledgement as well. But prior to that, it wasn't an issue because African societies did not view women as objects. African societies did not view women as unequal. Women were equal as human beings and occupied different important functions in the societies, the African societies. But anyway, to make it short, tonight we are going to listen to some information about that, how African women used to be, how society, the African societies prior to European invasions, plural, used to be seen in African societies. And that's basically what we're gonna see tonight. I swear, c'est ça que nous voulons. Comment femme africaine avant l'invasion européenne, comment société était traitée femme africaine. Donc c'est tout ça, c'est ça que nous avons pour. Et puis bien sûr, famille rappelez où comment que émission ça vient jouer nous et faut nous capable rappeler que nous la pour servir dans vision 2050, nous pas célébrer 12 ans dans même local là, donc même qui besoin faire taxou, qui beaucoup faire taxou, donc nous encourageons faire ça, relez nous, entrez dans famille vision 2050 là, relez nous dans 305 603 9793. Encore numéro 1, c'est 305 603 9793. Et nous avons joué en musique pendant que bon, avant même que nous jouions musique là, qui t'aime passer dans le téléphone là, afin que pour nous capables appel, et parce que moment ça t'a doué moment pour relever pour dire nous qui sont à faire et qui côté que ou à côté nous. Relez pour nous à 305 759 10 91. Encore ce numéro, c'est 305 759 10 91. Dis-nous qui côté que vous écoutez nous et qui ça que vous avez fait. 305 759 10 91, c'est le numéro pour aider nous pendant que nous avons regardez pour nous. 305 759 10 91, c'est le numéro pour aider nous pour nous capables d'entendre qui ça que vous avez fait et qui côté vous écoutez nous. Alors bonsoir, c'est qui côté vous écoutez nous et qui soit à faire pas attendre où. Allô. Alors moi pas attendre ou moi pas attendre bon, mais c'est pour l'autre monde pour moi si c'est bon côté un problème là. Alors bonsoir, c'est qui côté vous écoutez nous et qui soit à faire. Ici on l'a content. Ah, content. Ou chita sou kab, ou pa la ka chita. On pote pas solide. Kabon non solide ou pa tombe. Pas un problème. Content moi mais on pa la parler. Merci chérie. Content de ou tout. Rete brèche ensemble avec nous, ok? Ok, ou apkoute nou nan 99 la. Merci. Rete branché. Rete. Ok, bon pour l'autre. Alors bonsoir, c'est qui côté vous écoutez nous et qui soit à faire? Je suis en 26 de Malvin, notre Miami.
Ok, merci, merci. Nous apprécions l'appel. Nous. Merci de ce qu'on choisit. Branchez-nous, restez ensemble avec nous. Ok, chérie. Bon, prenons l'autre. Allô, bonsoir. C'est qui côté écoute nous et qui soit à faire? Je ne sais pas si je vais faire un peu de temps, mais je vais faire un peu de temps. Sinon, c'est le groupe de communauté, nous avons été branchés avec Mme Cathy, nous avons été radio qui est là. Nous avons été branchés, c'est le groupe. Ok, Dlo Douce, nous t'entendons, nous souhaitons condoléances l'autre fois. Restez ensemble avec nous, Solinant, quittez-nous, prenons l'autre. Allô, bonsoir, c'est qui côté va écouter nous et qui soit à faire? Bien, pardon. Moi, c'est un macho, man. Moi, je couche dans mes têtes, femme. Moi, je prie grand-mère là. Et Jésus, ou yon empêche ou en maladie, macho, man. Ah, je cherche un coton chita. Moun pas compris maladie dans poupée. Pour que deux poupées dans mon nous n'avons deux poupées dans mon la parler de maladie poupées regardez au cagadé ou pas la fin avec alors bonsoir c'est qui côté va écouter nous et qui soit à faire alors bonsoir Tatima Bouton ma amie et bien ok qui soit à faire avant les noix et bien si tu as la matin nous c'est mon matin nous parce que ta voix nous disons la mal son bagage. Et puis, nous sommes en nous devons parler de nous qui sommes rentrés ensemble. Pas de problème. De vous rentrer, on va plus crier pour l'autre monde qui rentre avant. Ok, vous êtes branché avec nous. Comment vous avez dit que 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 vous pas plus mal. Pas dit non? Il pas plus mal. Vous voulez souhaiter le condoléance, les soulignant toujours. Oui, merci un peu, oui, pour connaître ensemble, après c'est ça. Puis nous avons gaz naturel, la pompe gaz, la paille nouvelle, la vie de écouter la radio, écouter la radio, brancher avec nous à faire. C'est bon pour vous, oui. Restez branchés. T'as la chance, vous connaissez mon Dieu, c'est la même. Monsieur Mangata, il dit, mettez une vidéo, oh oui, pas de différence. C'est ça que fait que mon fils avait été à côté pour vous parce que je n'ai pas appelé cette équipe dans le gaz là. C'est ça que fait que mon j'en derrière toujours. Alors, restez branchés avec Kiskeya parce que, avec la réflexion, cette réflexion toujours posée, belle bagaille pour les auditeurs, pour nous, qui ont écouté. Ok? Ok. Ah ben. Ok, chérie, merci. Restez branchés avec nous. Ok, n'a pas une petite pause. N'a pas tout de même joué tout à l'heure. Change, oh, no, 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 no,
bonsoir, c'est qui côté ap koute nou et qui sont ap fè? Ah, ma pote, notre mami Vika, ma frère, rien, ma frère, de wakon bel, vous voyez, t'as tué, mon so, et puis, la forme d'un album numéro officiel, m'a dit, t'as envoyé. Ok, numéro officiel, 305-603-9793, 305-603-9793. Dans qui zone ou y est? Dans notre Miami. Not Miami Beach, ok. Je salue tout le monde, Not Miami Beach. Yo. Tout le monde qui a écouté nous, quel que soit côté où il est, dans Little Haiti, ou même qui dans Miami Shores, ou même qui. Bon, tu madame, wow, word. Tu madame, ça a mis quelques jours, je vais te souhaiter le bien. Et si vous si écoutez nous là, bah nous on appelle parce que ça fait quelques jours, je vais te dire. Et quel que soit côté où il est, et si vous écoutez nous dans la zone Bahamas, combien vous écoutez nous du côté d'Haïti, eh bien nous saluons, quel que soit côté où il est, nous saluons, nous disons bien branché sur. C'est parce que nous avons pas liberté, nous avons fait rouge, nous avons quatre. Nous avons tout dit non, nous écoutez nous, nous saluons à soi. C'est ça, nous saluons tout le monde qui a écouté nous. Merci, merci de ce que vous avez choisi à relayer. Nous avons branché ensemble avec nous, ok? Nous prenons l'autre. Alors, bonsoir. C'est qui qui a écouté nous? Et qui sont à faire? Bukati. Oui? Oui, oui, n'a fait ça. Quand on dit ça, sous parole, ça, nous allons passer le réclame. Merci de ce que vous rappelez, nous, ça. Il était bon, chef. Chaque année, on bail player ou pas qu'on combien cob yo charge pour remplir taxe. Eh bien, année ça, pas gain parler en pile. Vin faire taxe dans vision 2050. On y crée les 305 603 97 93. Quand on va compte toute sa cap passer dans taxe avant signal ou besoin payer bill yo. Eh bien, faire comme taxe dans vision 2050 qui dans 200 Nord-Ouest 79e Street, dans point de storage là qui dans 79 là Nord-Ouest 2e côte. Dans vision 2050, c'est free tax évaluation. Free tax estimation, free electronic filing et free direct deposit. Eh bien, qui sera obtenu? Relais Kati, Kati Panoua, dans 305-603-9793. Faire comme taxe, c'est mettre comme dans poche. Ou besoin payer billio. Billio pas prétendre, faut payer. Eh bien, elle fait taxe dans vision 2050. Relais 305-603-9793. Chaque année, on va player ou pas qu'on combien cob yo charge pour remplir taxe. Eh bien, année ça, pas gain parler en pile. Vin faire taxe dans vision 2050. On y crée les 305-603-9793. Quand on va compte toute sa cap passer dans taxe avant signal ou besoin payer bill yo. Eh bien, faire comme taxe dans vision 2050 qui dans 200 Nord-Ouest 79e Street, dans point de storage là qui dans 79 là Nord-Ouest 2e côte. Dans vision 2050, c'est free tax évaluation. Free tax estimation, free electronic filing et free direct deposit. Eh bien, qui sera obtenu? Relais Kati, Kati Panoua, dans 305-603-9793. Faire comme taxe, c'est mettre comme dans poche. Ou besoin payer billio. Billio pas prétendre, nous, faut yo payer. Eh bien, elle fait taxe dans vision 2050. Relais 305-603-9793. C'est ça, vin fait action dans vision 2050 multiservice côté que nous va célébrer 12 ans dans même local là qui c'est 200 Nord-Ouest 79 Street. Nous dans point storage là dans 79 Street. Vous cherchez Nord-Ouest 2e côté pour apprendre nous dans point storage là. Donc mes amis, pas hésiter du tout si vous cherchez un côté pour faire confiance, si vous cherchez un côté que vous connaissez que chaque ou pas coupé en deux
eh bien, relevez-nous dans 305-603-9793. Ou même qui peut faire taxou, relevez-nous dans 305-603-9793. Pour nous capables de dire. Et nous remercions tout le monde qui fait ça déjà, tout client qui habitué dans la famille et client qui nouveau et client qui référé client. Nous remercions pour ça parce que là que vous choisissez Famille Vision 2050 là, eh bien, ou aidez nous pour nous capables d'investir dans la société que nous avons à travers l'organisation. Tant que Plongaye, Cap Travail, côté Nap Travail ensemble avec Timounion Haïti, c'est membre organisation ça. Nap Travail avec Timounion Haïti et Nap font un paquet de travail non seulement avec Timoun, avec Grand Moundou. Donc mes amis, leur choisi nous, pas seulement choisi, viennent prendre bon service côté que nous recevoir, tant que son l'autre membre de la famille nous. Et puis ça me remet avec Mounio et leur vini. Et yo juste traité m tant pou yo te konnen m deja moun renmen ça parce que l'amour m ba nou nan radio an, c'est même l'amour ça le mwen nou m ba nou. Donc là nous recevoir l'amour ça fait m vivre parce que pa konn ou bon moun ou ap montre ou apprécier ou ap montre ou ap parler bien avec les petits gens peur non petits gens yon mais nous même nous pas faire ça là nous vini. Gagnons nous paraît car comme moi et moi belle nous relem car comme ça parce que comme ça maman me dépend relem donc ça fait plaisir et vraiment non pas dit car deux fois si nous dit deux fois nous pas seulement tout non au vital les cartes haïti elle est capable de bien oui papa vous tombez qui passe haïti comme là nous mettez à vol là ça nous capable de que nous apprécier dans nous donc venir dans les adresses dans cette dans droite sans nous dire oui dans bout de la radio que non Et base ça yo c'est eux même qui capable faire une définition entre ça qui bon et ça qui pas bon. Il y a deux types de transactions, il y a des bonnes transactions, des mauvaises transactions. Des transactions c'est transaction prédateur, des business qui c'est des business prédateur. Comme ça tout, il y a des business qui business compréhensible. Alors soit parler là, soit partager avec nous là son business compréhensible parce que tout soit fait ou fait autour de la communauté pour promouvoir la communauté, pour encadrer la communauté, pour vendre service communauté, pour faire passer service communauté entre nous pour capable garantir la communauté a une santé beaucoup plus robuste. Voilà pourquoi nous avons transaction nous vivons avec réflexion parce que réflexion nous gagnons un concept compréhensible de la transaction que l'on a fait dans le pays, les États-Unis. C'est ça. Ayon, je ne vais pas ajouter encore ce parti ça. Je vais juste donner mon numéro 305-603-9793. C'est le numéro pour aller pour capable de joindre service ça yo que et Chalet Show a parlé de yo. Kounya nous va passer premier vidéo que nous gagne pour vous, premier vidéo ça lui même. J'aime dire nos vidéo ça yo, information ça yo en anglais. Et ça comme t'encourager nous pour nous
et chercher ti moun yo, encourager ti moun yo, promettre yon ti surèt pita, encourager yon chita. Bon côté nous pour capable suivre mission et côté que dans première vidéo ça nous va regarder ensemble comment société africaine yo et yo pas contre traiter femme tant pour objet ou bien propriété. Donc quitte passer premier ça pour nous et puis après et n'a fait commentaire et, OK bon un moment. Okay. In Kemet, women received a very special treatment. Unlike in other civilizations, they were not seen as property, but as free individuals. As early as the New Kingdom, they already enjoyed a legal status comparable to the one European women would only gain in the 18th century AD. They received wages equal to their male counterparts, had the right to own property and file lawsuits. They could inherit and freely dispose of a part of their husband's fortune. This was unbelievable to foreigners knowing Pharaoh's divine status. But this was not unique to Kemet alone. In most African cultures, women held rights. For example, Kush is known for its numerous ruling queens. This was due to matriarchy, a form of social organization in which descent and relationship are reckoned through the female line, due to the matrilineal right. In agricultural systems, the pivot of society was the woman, who transmitted all rights, even the political ones. This level of social advancement in African civilizations was truly ahead of its time. It's no wonder why the world wants to take credit for the achievements of these African civilizations. Okay, ça c'est premier vidéo. Hein? Ça lui-même c'est par Monsieur Imhotep, Imhotep. M'a parlé de Imhotep dans le club. Ok, nous tapons des côtés de dit société. Africaine ancien temps avant l'invasion européenne pour Palio, et bien yo pas comme traiter femme tant qu'objet ou bien propriété, mais plutôt tant qu'humain qui vient droit. Ok, yo te kon gen salaire qui égal à travail garçon, yo te gen droit posséder propriété tant qu'ou kay terre. Et yo te gen droit à signer moun, yo te gen droit à bien mari yo, et yo te gen droit vann bien sa yo. Et ceci, et Jean Palian, il dit c'est pas seulement à Kemet, c'est non et Égypte. Égypte c'est européen yo qui vinn relé région ça en Afrique Égypte, c'est qui met que Afrique était comme l'île. Donc c'est tout droit ça que femme te joui de yo. Et ceci c'est pas seulement à qui met le côté qui relie Égypte jeudi hein, et c'était dans différentes sociétés en Afrique yo où tu gagnais genre de traitement ça yo, c'est comme ça femme yo yo te en valeur. OK, et puis il parlait tout et gen nan royaume Kush là côté que te gen plusieurs reines et nan royaume ça, et yon nan bagay c'est en pile la société ça, c'était société matriarche que yo te ye, c'est à travers lignage et lignée femme yo que yo te kon choisi reine, yo te kon choisi roi. C'est pas même genre avec société européenne yo côté que c'est garçon et c'est à travers garçon. Et puis bon, qui ça encore une chose qui était important, c'est question de comment et femme yo vraiment et yo j'étais occupé plusieurs positions, et tu gagne des femmes guerrières. Nous pral passer une vidéo pour côté que gagne un jeune africain, un jeune étudiant africain et qui a étudié dans un collège la son jeune collège. Si me rappelle ni m'a partager ensemble. OK. C'est Bow Valley College, un jeune africain qui a parlé de comment
qui ou comment qui raison qui fait que femme africaine vin nan point que les jeunes jodi an, et puis même ça que nous qu'on habitué dit nous li parler de yo li fait historicité de conditions familiales avant invasion européenne. Donc nous gen pou passer ça pour nous, mais avant tout qui te nous propose on va laisser pour poser avant proposer et chalet chaud l'eau douce nous là. Nous donnons des messages qu'on parle de race européenne, comment très bien entrer en Afrique et de lui changer position. Ça, de changer culture. Ok, nous faisons un commentaire après, nous avons besoin d'assurer que nous là. Bon, pour une pause, après ça, nous retourner et puis nous jouer l'autre vidéo. Après, nous faisons un commentaire, ok? D'accord. Évitez déportation. Pour appliquer pour document TPS ou, relez dans 305-603-9793. Leur appliquer pour TPS, WAP bien social, cap travail et WAP café licence ou pour permettre de fonctionner dans le pays. Relez Kounia dans 305-603-9793. Leur relez semaine ça, n'a bon 15% discount. Rele Miskati nan 305-603-9793. Encore numéro 1, c'est 305-603-9793. Une autre fois, saluez nous, Pabli, n'a suivi l'émission Réflexion avec animatrice ou Katus Kipia, Kati Panoua. Et puis nous gagnons nek blo douce lan, chalet chaud. En ligne, il n'est pas présent studio, mais il est en ligne. Donc, il a fait commentaire par le passé, il a fait nous entendre. Et chalet chaud seulement, pas bouillie, ne glo douce la côte, on fait pas louer parce qu'on connaît les calons morts. Mais si nous gâchons ce sommet là, si nous sommes dans le chalet, je vais répéter là. Bon, et je connais quand on arrête, même si on a le caché dans tout, m'a fait bon. Donc, plutôt vide de l'eau sous terre. Ok, merci de vous donner. Ok, donc, n'a peut rappeler où que dans Vision 2050, on va faire une pierre plusieurs coups, comme nous sommes là. Nous sommes capables de avec tout dossier immigration, TPS ou même qui peut renouveler TPS ou bien. Nous suggérons faire ça rapide et m'apprécie ça gagne quelques monde qui commencent à faire li, mais pas tant à la dernière minute parce que moun qui te gagne TPS depuis la première heure et TPS est sorti en 2011, et bien on gagne seulement jusqu'à 27 et nan mois ça là ou gagne et renouveler moun qui pral gagne pour la première fois ou gagne plus temps devant. Mais ou pas besoin de temps à la dernière minute pour renouveler, pour appliquer. Donc, relez-nous dans 305-603-9793. 305-603-9793. Pour nous capables de nous proposer notre premier numéro. Entrez là. Ah, ma dizaine est passée, moi, entrez. Vini, entrez-nous. Oh, c'est pas toute famille là. Oui, madame, moi, Cathy Mounio, nous tous rentrons ensemble. Comment ça a fait rapide pour ça? Ah, moi, j'ai la vision 2050, côté madame Cathy, j'ai organisé tout à fait. Avant de faire l'application immigration et remonter, il est 305-603-9793. Pour nous, qu'à célébrer un moment spécial, fait papa, maman et fiancé nous entrer. Révision 2050 en 305-603-9793. Ou même qui besoin de résidence, faire aux citoyens et renouveler papier, n'importe dossier immigration, Révision 2050 en 305-603-9793. Vision 2050, c'est voyager. C'est ça, c'est Vision 2050, c'est voyager, relayons dans 305
603-9793 pour tout dossier immigration. Ou même qui besoin d'entrer madame petite Marie ou t'a même faire et appliquer pour ça améliorer les programmes Biden pour parole humanitaire pour une famille aux amis et bien relez nous dans 305-603-9793 Jean nous dit où dans vision 2050 on fait une pierre plusieurs coups ou fin pour un compte taxe là. Et côté que n'a plus d'argent maximum l'argent qui possible sans pas de problème avec Tonton Sam parce que c'est l'argent qui est légal qui possible nous va pas faire rien qui louche pour après ça même encore oublier que c'est au tapement depuis l'argent donc nous même côté où qu'arrivé qui légal qui droit qui a rapport avec là c'est ça que n'a fait pour vous. Donc si vous besoin pour taxe bien préparé côté que là nous bon copier exactement ça nous ba ou exactement ti virgule ou informé ou connaît qui sorti là dans la taxe fait ensemble avec tout ça que là dans nous connaît pas rien qui changer et bien si c'est ça vous chercher relez nous dans 305-603-9793 encore numéro c'est 305-603-9793 nous va rentrer dans deuxième présentation à vous. Il était branché. Two young boys ventured far away from their village. They climbed a hill and looked down. In the distance, they saw three long trucks, each one full of men in uniform, all carrying machine guns. As fast as they could, they run to tell the elders of what they saw, leading the elders to come out and inform the villagers. Fear and panic struck the hearts of the villagers like thunder. Now you see, this village belonged to a Southern Sudanese tribe called Buya. This happened in 1960, during the civil war between the central government's army and the Southern freedom fighters. Many atrocities were committed by the central government's army. The fear that struck the hearts of the villagers was the knowledge of what was to come. However, on that day, one individual decided that this would not be the fate of their village. That individual asked the villagers to gather all the weapons in the village. The individual asked the elders to gather the children and women and head to the jungle for protection. The individual gathered the six machine guns they were given and positioned them in six different locations. As the army trucks reached the village entrance, boom, 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 they were ambushed by what they thought was an opposing group of men. The commanding officer then sent soldiers to overtake what was perceived to be multiple attackers. The individual was captured by a soldier and was then executed. As the person lay dead on the ground, the soldiers could not help but gather around the dead body in shock. What they had believed to be an attack conducted by six men that took out two-thirds of their convoy was an attack conducted by a single woman. This is not the only story to be told depicting the strength, innovation, and intuition of the African woman. Today, I will be sharing with you insights into the areas of military, spirituality, and entrepreneurship through moments in history from the African continent that illustrate how key successes in various African communities can be attributed to the qualities in their women. Qualities that were harnessed, honed, and valued through gender equality in pre-colonial Africa. As we travel across the vast continent of Africa in time,
we come across the Ijesu tribe of the Ashanti in what is present-day Ghana. There we meet Ya Ashentawe, queen mother of the tribe, who raised and led an army of thousands against the British colonial forces in Ghana in their effort to subjugate the Ashanti and seize the Golden Stool, the Ashanti tribe, national symbol of unity and sovereignty. Ya Ashentawe mobilized thousands of Ashanti warriors and for 3 months laid siege to the British fort of Kumasi. The British colonizers had to bring in thousands of reinforcements and artillery to break the siege, exiling Ye Ashentawe to the Seychelles. In exile, she lived her life until her death. Ye Ashentawe's war, as is presently known, is one of the last major wars in the continent of Africa to be led by a woman. Africans are known for their spiritualism and love for religion. In ancient Africa, women were often the most powerful figures, powerful spiritual figures in the land. For example, Nehanda Chawe Nia Gasikana, a female spiritualist leader and a key leader in the first Chamaranga. She's from Mashonaland, Zimbabwe, by the way. She was considered to be the female reincarnation of the oracle spirit Nehanda. After she was captured by the British settlers, she predicted that her spirit would return and lead the second Chamaranga, or the War of Liberation, which eventually led to the independence of Zimbabwe. As we continue our travel across the continent of Africa in time, we come across the Igbo nation. The Igbo people are a subgroup of a Yoruba people, an ethnic group of Western Nigeria. Among the Igbo people, we find a rich tradition of entrepreneurship dominated by the women. The Igbo women were known for their highly developed business acumen, which they use for the economic upliftment of their societies. They are accredited with the development of a trade and market system, which benefited their communities and made them the economic powerhouse of their nation. Gender equality is sewn into the traditional fabric, African fabric of society. But what is the status of women in Africa today? As you can see from the slides, women in various African countries lag behind men in the areas of employment, literacy, and politics. Why is the experience of women in Africa today not the experience of African women from the past? Africa was colonized twice. First, by the Muslim Ottoman Empire, and then by the Christian European empires. According to Gereakai Chingu, a scholar at Harvard University, in the years just before colonization, African women were largely equal to African men. However, during colonialism, Chingu points out that colonial Christianity brought the concept of the Victorian woman to Africa. In another word, a woman who should stay in the private domain and leave the real work to men. Avec au suivi émission réflexion avec animatrice sous Catus Kipia Katipanoa et Pralba et monsieur intervenu dans tout ça qui dit yo jusqu'à avec un peu ça la petite pause musicale et côté que n'entendez voix union femme et dans un morceau que moi apprécie. Clopano tête en bas, n'a pas tourné.
pas trop qu'il y a mal. Dans un crayon, caracosal. Quand les débrailles et jouent pour sale. Yon coup de clé, nous en zigzag. La vie, yon pète tourne, yon blague. 26 grèves, peut-être marina. Votre sans fil, jouent ma zigra. Li anormal, mais li normal. Yon lama yon nan carnaval. Yon ka déjà son pop étoile. Yon pile étoile en place étoile. Allô? Mais, on connaît nous-mêmes tous, nous des compromis, parce que toute race d'Afrique là, et pour ne pas dire les pays d'Afrique, parce que chaque fois qu'on parle d'Afrique, il y a une tendance à penser que l'Afrique c'est un pays, mais l'Afrique c'est un continent qui vient plus que 50, combien de pays, 54 pays. Et chaque pays a un territoire qui est énorme et qui vient de pratiques différentes de l'un vers l'autre. Mais en gros, c'est le monde noir que vous voyez. Mais on connaît le monde fonctionner en vertu de valeurs et priorités. En Afrique, tout ce qu'on connaît la tête. Mais les mouvements qui sont en bas, sur le poids de l'autre bord, nous forcent nous entrer dans la lecture ou bien l'invention de l'écriture. Qu'on a, ce qu'on va connaître, ils ont montré comme si c'est un qui a la tête ou lui-même. Oh non. Ah, pas avant d'aller plus loin. Non, l'invention de l'écriture, c'est nous-mêmes. Et ça, son faux stélier. Et ça, c'est pas que vous voulez pour nous quoi. C'est nous-mêmes qui inventé l'écriture avec Mother Nature. C'était le premier. Mais nous avons fait ça, les plagiat, c'est ça, les copier. Bien que je dis à nous, par exemple, les bagages, mais nous pouvons prouver que c'est copier ou copier, non, mais nous. Mais c'est bien malheureux, mal compté. Bon, grand mette comme dit mal scellé, c'est le cas foulé. Alors, puisque ce jour-là, nous mal scellé, nous sommes la foulée chaque jour et la plaine. Bon. Mais la plaine. Gampi l'information qui commence à sortir, qui fait que, bon, c'est le bagage que vous avez dit, qu'il y a ces quelques yeux sèches qui continuent à dire. Et après ça, l'autre monde. Et scientiste de carrière qui gagne conscience pas répéter bêtises ça encore parce que écriture c'est nous-mêmes science c'est nous ces ancêtres nous tout parce que imaginez de 250 à 300 000 ans et pour nous prendre temps et qui plus récent parce que l'humanité gagne des millions d'années et d'existence, mais dans différentes formes. Mais si on prend l'homme intelligent, la femme intelligente, l'homme intelligent, et de 250 000 à 300 000 ans, et africain a fait bagay. Africain a fait bagay. Et l'homme du Afrique a fait bagay. Bon bagay, en pile bagay. C'est africain qui découvrit la science, qui font paquet discovery, qui font paquet découverte. L'écriture, c'est nous-mêmes. Alphabet, c'est nous-mêmes. Chiffres, mathématiques, algèbre, tout bagage ça, c'est nous-mêmes. Même dans un paquet évolution qu'a fait dans époque ça, c'est nous-mêmes, mais il a juste caché information ça il a fait il faut plus continuer à cacher information même
laptop qui n'a moins et computer et système binaire là c'est en Afrique que on prend lui et gain plusieurs gain l'autre système binaire tout aussi africain voulez nous ca font l'autre bagaille pour contre carré à ça que nous même yo gain donc dans ce sens ça toute bagaille c'est nous existence même c'est nous même et mais comme c'est moi que européen yo présenté pour moi femme donc puisque tu es là avec cerveau nous pour changer culture nous pour acculturer nous et nous pas de question infériorité femme c'est ce que là me voulait là même pour nous comprendre là même pour nous vraiment essayer retourner à la source pour qu'à comprendre ça nous parce que nous même nous pas de gagner un type d'infériorité ça là car nous ce sont des bagailles que avec colonisation avec esclavage yo imposé nous yo vinn apprendre nous de génération en génération qui vinn faire c'est comme ça que nous jounen jodi an qui vinn faire c'est comme ça Afrique qui jounen jodi a que tant pile femme africaine a souffert mais avant ça ça pas existé c'est point essentiel dans ça donc na comme là ça s'est arrivé sous nous mes amis nous t'a même dit plus c'est pas parole nous qui finit c'est là qui censé river sous nous nous dit mon yo na aller bleu douce chalet chaud non mon nom qui est étranger à manger en un restaurant haïtien la bouffe culture manger dans un restaurant haïtien en tout cas, ou même pour gâter bagaille. Ça va quand il y a la gonti bleu sous tête lui et bleu douce. N'a pas encore une autre fois nous remercier tout le monde qui t'a suivi l'émission. Pas oublier que nous toujours dit nous si nous oublier toute l'autre bagaille moi l'homme pas là, songez que nous aimer nous. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous sur Figibook et sur tout notre réseau. Partagez l'émission pour nous, s'il vous plaît. Et nous rencontrons encore samedi et samedi prochain. 305-603-9793. C'est le numéro que vous avez joué. 305-603-9793. À samedi. Bye bye. Je dans la rue, yo corps pour même fin grandi, ka bon plaisir pour maladie, ka c'est les os en bagarre. Fanta écrit sa dans l'histoire, d'où l'air dans les marchés en bas, innocence fond dans bac la ville, barrette ruban ou pompe fil. Expressed on Radio Pimambu, WQVN, or those of the host, guests, bye. And callers, are not necessarily bye. Those of this station. Hello, its management, or bye. Other advertisers.